Quatre jeunes. Palerme et Vosbo. Ah, comment il était? Ah oui, je comprends. La naissance du projet. Oui. Moi, c'était comme avec le film Napolitain. J'avais pensé de faire après complètement autre chose. Et finalement, je me suis rappelé une chose très pathétique que j'avais lue, ou peut-être en 73 ou 14 déjà. C'est un garçon qui est venu d'une, je ne sais pas d'où, d'Italie, en tous les cas du sud d'Italie, dans une ville, et moi j'avais pensé que c'était Wolfsburg, et qui a assassiné deux personnes et qui a eu son procès. Donc c'est pas grand chose comme histoire, je veux dire, ça, c'est très quotidien. Mais comme ça, ça s'est développé beaucoup plus avec mes recherches que j'ai fait en Sicile, parce que j'étais en Sicile pendant 2 mois. Cherchant mon protagoniste et d'autres personnages pour le film, tu vois, dans les villages, dans les villes, etc. aussi, de chercher l'endroit juste pour le film, selon mon imagination. Oui, mais en plus parce que je n'aime que les sujets très radicaux, tu vois. Mais avec cette histoire, j'ai pu rendre, tu vois, j'ai pu faire une agression qui est assez fertile, tu vois, parce que de rendre à la fin d'un film d'image un assassin positif, je veux dire, c'est pas une chose nouvelle, mais il faut aller justement à ce moment-là, parce que les gens sont maintenant tellement réactionnaires et tellement calmés, etc., etc. Je trouve qu'il y a un nouveau racisme complètement camouflé en sous-sol, que les gens ne se rendent pas compte, absolument pas, ne savent pas. Donc l'histoire, une histoire romantique, finalement. Pour moi, le plaisir, c'était le plaisir de le faire, tu vois, de travailler avec les gens. Ce sont des nouvelles expériences que j'aime beaucoup. Parce que le personnage, il est de quelle ville, le personnage? Il est de Palerme? Non, le personnage vient de la même ville où j'ai tourné le film, tu vois. Ah oui. Je faisais une recherche très élaborée pour trouver un garçon protagoniste pour le film. J'ai vu une 200 à peu près, je faisais des répétitions, des essais partout en Sicile, tu vois, dans les écoles, etc. Et ce garçon, je le trouvais sur place, c'était le dernier que j'avais vu. Et sans le faire une répétition, un essai, je lui ai dit, toi, n'est-ce pas. Et donc, c'était très difficile parce que c'était en plus le seul qui a refusé complètement. Non, pas tu es film, non, pas tu es film. C'était un combat de 2 semaines avec lui, avec sa famille, et donc finalement, j'ai vaincu pour tout. Parce que je comprends bien qu'on ne veut pas faire un film. En plus, il est très jeune, il a 15 ans dans le film, il doit faire un personnage de 18 ans, mais en réalité, il a eu 15 ans. Le tournage a duré combien de temps en tout? De préparation ou de tournage? Le tournage, lui-même. 10 semaines. 10 semaines. Mmh, donc, presque 4 semaines en Sicile, 3 semaines à Wolfsburg et 3 semaines, à peu près 2 semaines à Berlin, pour tourner le procès, voilà, la partie du procès, oui. Alors, la première partie est très positive parce que je défends quelque chose. La deuxième partie est exagérée d'un esprit très, très négatif et très plat, tu vois, sur l'Allemagne. Ce n'est pas une opinion analytique de l'Allemagne que je donne. Je donne un propos pour s'énerver de le voir, tu vois. Donc le style de la deuxième partie déjà est complètement différent du style de la première partie. Puis moi j'appelle la deuxième partie dès que le garçon arrive en Allemagne, tu vois, ça commence à la gare jusqu'à l'assassinat des autres garçons. La troisième partie, le procès, ça commence complètement normalement, mais après je réalisais comment ce garçon s'est noyé, tu vois. Donc, je parlais beaucoup avec lui et je développais qu'il se faisait dans sa tête des images complètement fantastiques. Bien sûr, filtrées par ma personne, je me suis rendu compte de ça comme image que lui s'est créée dans sa tête. Ce ne sont pas surréalistes, ce sont des idées fantastiques de lui, des fantasmes qu'il a pu avoir. Par exemple, regardant la mère de sa fiancée. Et ça c'est très bien indiqué dans le film, même techniquement, parce qu'on réalise bien que ça devient une chose complètement subjective et c'est plus extériorisé comme le reste du procès. C'est pas surréaliste, absolument pas. Ouais, c'est justement. Et c'est pour ça que je laisse rentrer à la fin la situation du procès.
bien sûr dans une normalité exagérée avec les points, avec les gags, etc. Mais ça rentre à la fin dans une petite normalité, dans la description d'une normalité. Mais il y a dans le procès, à partir d'un certain moment, c'est complètement filtré par ça qu'il pense lui, par des images qu'il a, tu vois. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la haine que ce personnage a portée vraiment en Allemagne en soi. Parce que déjà le premier rencontre avec la fille, qui était une employée d'une papeterie à Wolfsburg, donc ce personnage, sa fiancée, c'est une fille de 16 ans. Et donc lui, il se faisait des espoirs, tu vois, lui, je veux dire, le garçon même, pas le personnage dans le film, des espoirs de la baiser, etc., etc., parce qu'il n'a pas compris comment les filles se comportent légères en Allemagne, tu vois, venant d'un endroit comme ça, il n'a jamais quitté son village, sauf ton voyage pour se faire opérer quelque chose dans la gorge à Milan, mais hors ça, il est toujours resté à Palma de Monte Chiaro, donc où les femmes sont complètement... Tu commets, mais tu vois. Fantastique. Donc, il est tombé amoureux de cette fille, et pendant le tournage, en tous les cas, son refus était complet parce qu'il n'aimait pas le garçon. C'est rien à rejeter en elle, mais lui n'a plus compris rien. Donc, c'est chargé de haine contre elle, ça c'est sûr. Déjà, lui, comme personne, qui faisait le personnage en effet. Je veux vous parler de séquences de. Spectacle avec la natation. Ah oui, mais ça c'était une chose que j'ai trouvé pendant la préparation du film. C'était le spectacle de la passion à Palma di Monte Chiaro, tout bêtement fait, tu vois, d'une primitivité incroyable, français une fois par an pour la nuit de Pâques. Ah. Oui, mais c'est comme ça, j'ai pris tel qu'il était, tu vois, le spectacle. J'ai seulement changé la lumière pour souligner encore un peu l'aspect complètement primitif. Mais... Et j'ai donné des indications pour en parler plus haut, un peu plus dramatique, etc. Mais je laissais pratiquement intact le spectacle qu'ils ont donné. D'ailleurs, c'est un spectacle de 6 heures, tu vois, qui commence à 8 heures du soir. Qui termine à 2 heures du matin, 2 heures et demie, tu vois. C'est tellement gay et drôle parce qu'il y a un souffleur qui parle tout le temps, tu vois, parce qu'ils n'apprennent pas les paroles, non, c'est tellement drôle. Non, c'est... Ah, divino maestro, divino maestro. Donc, dans le spectacle même, c'est tout le temps la voix du souffleur, tu vois. C'est très gay. Non, mais ça, c'est en contraposition avec l'histoire du garçon, tu vois. C'est une ironie, et autrement, c'est aussi un jeu avec le côté pathétique de l'affaire, tu vois. Ce film-là est complètement ordonné, c'est-à-dire tu commences toute la séquence, toute la première partie de la Sicile, mm-hmm. Tu joues complètement sur quelque chose de très réaliste. On peut penser, en tant que spectateur, mm-hmm. à beaucoup de choses du néo-réalisme. Mm-hmm. À mon avis, c'est... Un très bel hommage sur certains films néo-réalistes. Après, quand on arrive à la deuxième partie, Rosebourg, on arrive à une sorte de réalisme allemand. Mm-hmm. On pense à un certain nombre de cinéastes allemands. Mm-hmm. Ouais. Avec la troisième partie, Prague. Mm-hmm. C'est ça qui est absolument passionnant, c'est que tu arrives à faire tout craquer au niveau du réalisme, au niveau de sa conscience, de sa tête. Alors que toi, oui. Très souvent, dans tes films, tu faisais exploser ça un peu dans tous les sens, tout s'imbriquer. Là, tu as réussi à bien ordonner ça, tu vois, à établir une progression, et ce qui, à mon avis, donne une force absolument extraordinaire au film. Et comme bon, est-ce que c'est le fait d'avoir une production où il y avait plus d'argent en jeu qui t'a obligé un peu à entrer dans des structures plus établies? Ça a joué, non, 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 non. C'est toi qui a changé, qui... Non, mais le projet, tu vois, c'était fait avec les gens là-bas. Ça veut dire pour moi que moi, j'étais extrêmement passionné par cet endroit et par les gens là-bas, tu vois. Et sur l'Allemagne, c'est... D'ailleurs, l'Allemagne, je pourrais prendre aussi... J'aurais pu prendre aussi la France. Je vis comme... C'est où le Renault, l'usine de Renault, c'est où? Bien. Voilà. Bien. Chose comme ça, ce serait le même effet, mais je veux dire, là, j'ai
faisait une attaque idéologique, parce que moi je n'aime pas du tout les ambiances comme ça, et on ne peut pas me dire qu'on peut vivre heureux dans un endroit comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas une description documentariste du tout, la partie allemande, c'est poussé vraiment au ridicule, volontiers. Ça me tire les dents quelquefois, mais j'ai laissé les scènes dans le film. Je trouvais esthétiquement horrible dans la partie allemande, mais que je pensais bien parce que c'est une telle caricature que ça fait rendre quelque chose visible, en plus aussi une certaine haine contre quelque chose. Et au procès, ça commence très élaboré, très normal, et à la fin, ça se défait complètement parce que le personnage du garçon, c'est le personnage le plus important. Mais. Non, même le film est créé, ce film est créé beaucoup plus que mes autres films sur le table de montage, parce que j'ai eu un scénario, tu vois, de 200 pages, et je n'ai pas pu utiliser du tout. Je veux dire, j'ai utilisé 10 à 15 pages du scénario, et le reste était recréé, donc j'ai énormément tourné des scènes qui ne se trouvent plus dans le film faisait 7 heures à peu près, tu vois. Et donc, sur le table de montage, par exemple, j'ai sacrifié tous les caractères féminins, tu vois, pour souligner la catastrophe du protagoniste. D'abord, c'était une fille très sympathique, la Brigitte était beaucoup plus raffinée comme caractère, comme point de vue sur elle, etc. Également sa mère, etc. Mais j'ai tout sacrifié sur la table de montage pour souligner le problème de lui ou sa personne. Non, le film est vraiment créé en montage, tu vois, parce que j'ai eu 24 heures de matériel. Enfin, pour toi, toute la séquence d'Allemagne, c'est la barbarie. Non, pas toute la séquence, mais presque toute, oui. Mais le style est pris, tu vois, d'une cinéma allemand assez plat, oui. Ouais. Comme ça, du cadrage, etc. Disons que Palerme, c'est pour toi, c'est Naples, c'est le Mexique. Pour toi, c'est une société qui n'a pas encore été domestiquée par la société bourgeoise, qui n'a pas été complètement domestiquée par la société bourgeoise. Mais c'est de ça que la société bourgeoise, au fédéraliste, a toujours essayé d'ailleurs. Oui, mais pour toi, tu as réussi à trouver là-bas encore une vie qui n'a pas été. Bousillé par la bourgeoisie. Oui, bien sûr, pas parce que les conditions sociales pour la plupart des gens sont vraiment pas bourgeoises, tu vois. Les conditions de vie. Oui, c'est vrai, pas mal de Monte Chiaro, on pourrait se trouver très facilement en Équateur ou au Mexique, c'est vraiment comme. Conditions sociales, économiques, c'est entre les plus bas qui existent, tu vois. Je pense que de plus en plus, tu te rapproches de Pasolini, mais bon, c'est très différent, bien sûr. Mais au sens profond, je pense que. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, moi j'aime beaucoup Acatone de Pasolini, j'aime beaucoup Salò de Pasolini et Mamma Roma. Le reste moins. Mais il faut dire que la position de Pasolini, c'est une position sur le plan intellectuel extrêmement conséquente, aussi avec tous les défauts qu'il a pu faire. La mienne est intellectuellement pas très conséquente, la mienne est encore plus instinctive, tu vois. Sur un côté, c'est vrai, parce que moi, je crois que j'ai vraiment rien à perdre, tu vois, absolument rien. Je peux me permettre de faire des folies comme ça, de défendre des personnages indéfensibles. Parce que moi, j'ai rien à perdre, tu vois, j'ai aucun esprit de matérialisme. C'est une parole pathétique, mais j'ai vraiment aucun esprit, tu vois. J'ai eu, quand j'étais plus jeune, ça veut dire que je me suis mis, oh, j'ai eu besoin d'une chambre avec mes livres, avec mes disques, avec tout ça, j'ai pas besoin de ça, en effet, j'ai pas de chambre d'hôtel, oui. Non, je veux dire, c'est pour moi, c'est vraiment facile, parce que j'ai vraiment aucun attachement au matérialisme, aucun. J'ai eu quand j'étais jeune, mais pas là. Mais mon prochain projet, c'est Don Giovanni de Mozart. Je ne sais pas encore comment je peux le faire, tu vois. Non, mais ça veut dire. Non, je vais le faire parce que j'ai déjà signé le contrat, mais.
Et au même moment, quand je faisais Palermo-Wolfsburg, je montais l'eau en pleine vague, donc au moment de montage, tu vois comment faire. Je crois que en Pasolini, bien sûr, la nécessité de l'analyse sociale, qui emporte tout le temps aussi des doutes de tous les côtés, parce que personne ne peut être juste avec une analyse idéologique. C'est intervenir dans sa grande qualité d'acatone, par exemple, pas dans l'acatone, parce que là, tu n'as pas un emploi analytique de la société, c'est une description poétique d'une certaine d'une image que quelqu'un peut avoir avec beaucoup d'amour d'une certaine réalité. Et ça, je préfère, parce que l'analyse, je ne comprends pas. En effet, je crois qu'il faut vraiment... Non, toutes les choses trop intellectuelles, j'entends. Mais Pasolini, c'était quelqu'un de très bien. Tu vois, en Italie, il est regardé comme un saint, mais pendant sa vie, il est regardé comme un cochon, parce que partout, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est assez intéressant le livre que Laura Betti a édition, a fait, dans, Laura Betti a fait l'édition, tu l'as vu? Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Comment ça s'appelle en italien? Un taille de sport, quoi. En tous les cas, c'est un livre qui raconte seulement les histoires de, je crois, 90 procès que l'on savait. Tu n'as pas eu de procès, toi, encore? Non. Non, on a raté le procès avec le film en Allemagne parce que la distribution s'est décidée de changer quelques sous-titres dans le film, dans la version allemande. Parce que, en effet, quand on voit l'image du directeur de l'usine avec sa pipe fumant, tu vois, tu te souviens? Il y a un dialogue entre Antonio et entre Nicola qui commence dans une usine. Et après, c'est une collage des images des entrées de l'usine qui ressemble étrangement beaucoup aux entrées des chambres de chambres de concentration, des couloirs comme ça très basse, énorme. Et après, il y a une image d'un homme, tu vois, avec une pipe, une photo stéréo. Tu n'as pas vu? Ah, donc tu t'es endormi? Non. J'ai des mauvais compliments quand même. Tu n'as pas vu le film. Et après, on revoit l'usine avec les trois cheminées, avec le Volkswagen, le symbole de la VW. Tu ne souviens vraiment pas de cette photo de monsieur avec les cheveux blancs et qui fume une pipe. Si je la voyais... Oui, en tous les cas, sous la photo, le dialogue continue et Antonio dit à l'autre, prend un revolver et assassine-le. Et après... Quand on voit l'usine, il dit jette une bombe, il faut faire sauter toute cette merde. Donc ça c'est en Allemagne, ça s'appelle appel au terrorisme et appel à l'assassinat, donc c'est strictement défendu. Donc la distribution allemande a dans les sous-titres changé le contenu, tu vois. Avec mon accord d'ailleurs, absolument. Est-ce que tu aurais eu un procès? Oui, qui est complètement inutile parce que comme le film était extrêmement cher et j'ai poussé les interradicalismes que le pauvre producteur qui est aussi le caméraman Thomas More, tu vois. Jean Gonfray, c'est quelqu'un de charmant. Oui, mais il est complètement fichu, tu vois, parce qu'il a perdu l'argent qu'il n'a pas eu pour ce film. Donc si on commence maintenant à faire un procès à cause de deux phrases, ça veut dire bloquer le film pour une très longue période. Et en effet, il va sortir déjà le week-end prochain à Munich et en Bourg-en-Pologne dans ce... Ça vaut pas la peine, je le dis à la presse en Allemagne aussi, qu'on a changé ça pour mettre en doute les possibilités de liberté en Allemagne, parce que selon moi, ça doit être possible de faire ça, parce que c'est pas une opinion objective, c'est l'opinion d'un caractère qui joue son rôle dans un film. C'est une opinion subjective que quelqu'un dise, prends un pistolet, assassine cette personne. Tu as mis à sa place la phrase, mon rêve est de changer la société. Non, 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 c'est pas moi qui ai mis ça. Moi, j'avais mis l'original. Non, je sais pas, parce que moi, j'ai pas vu Adara, j'ai pas vu le film, tu vois, jamais vu le film avec les sous-titres, parce que j'ai pas eu le temps. De toute façon, la traduction était comme ça, Tout au contraire, en italien, c'est... Questa società è incambiabile, questa infallibile società prendi un revolver e vai a assassinarlo e hai visto questa fabbrica, prendi una bomba e vai a zumbare in aria. Sì.
On essaie de parler en napolitain, donc même les Italiens ne comprennent pas très bien. Mais je veux dire, c'est vraiment... Là, c'était un grand problème avec la télévision et avec la distribution. Et un autre grand problème, c'était quand j'avais annoncé Franz Josef Strauß comme nouveau chancelier de l'Allemagne. C'est aussi contre la loi. Oui, mais dans le film, tu vois, comme au procès, il y a une fenêtre qui s'ouvre, on entend une radio de la cour avec un speaker qui dit maintenant à toute la foule autour du balcon, il y a le nouveau chancelier allemand, Franz Josef Strauß, qui prend les applaudissements de la foule, tu vois. Mais ça, c'était une chose pour la télévision extrêmement dure parce que. C'est pas, je veux dire, c'est pas défendu de le mettre, mais pour eux, c'est un tel cynisme qu'ils ont pris en qu'ils se sont vus en tout avec toute la position qu'ils peuvent avoir pour le film. Mais les autres journaux, j'étais d'accord de changer les sous-titres, ça à vous dire, parce que je ne veux pas bloquer le film complètement, tu vois, c'est ridicule. Pourquoi tu as tenu à ce que ce jeune garçon soit relaxé? Parce que c'était inévitable, parce qu'avec ça qu'ils ont eu comme preuve, etc., c'était pas possible de les... Tu veux dire procurer, comment dit-on, le procureur? Tu fais en alternance, tu montres des images de la Passion, mm-hmm. On voit le Christ crucifié. Mm-hmm. Oui. Donc on pourrait penser que ce jeune garçon va lui aussi subir un sort identique. Pour toi, la crucifixion, c'est seulement un procès. Mais on ne sait pas la chose qui se passe avec lui après, parce que dès qu'il a ouvert sa bouche, la première et unique fois au procès, en disant je l'ai assassiné, je l'ai voulu assassiner, il se trouve dans une atmosphère complètement mystique, on ne sait pas absolument pas les choses qui se passent. Il y a la fenêtre qui s'ouvre à la fin. Oui, parce que c'est reprend. Hein? Pour lui, c'est quand même un espoir. Oui, parce qu'il a retrouvé sa dignité, tu vois. Parce que tout le temps, les gens parlent, celui bla bla bla, personne n'a compris, etc. Sauf peut-être la Giovanna, qui avec son discours devient tellement pathétique aussi, qu'elle est peu croyable pour les juges. Donc, et à la fin, quand le procureur, demande de le mettre en liberté, et après bien sûr la défense aussi, ça c'est sûr. Il se trouve complètement mal compris, tu vois. Il y a une très très belle histoire de Eugen von Harvard, le plus grand écrivain autrichien jamais, tout le temps, qui écrit des choses comme l'histoire de Geschichten aus dem Wienerwald, de l'histoire des forêts de Vienne. Tu connais ça? Non, je connais. Ce sont des comédies. En plus, elle a écrit un petit roman qui est extrêmement beau, qui s'appelle Jugend ohne Gott, Jeunesse sans Dieu. C'est l'histoire d'un professeur d'école au moment des nazis. Et c'est une défense pour la vérité. C'est extrêmement bien parce qu'à la fin, ce professeur réalise que même s'il tombe avec ça dans les abîmes les plus profonds, le seul espoir qu'il peut avoir, c'est de se rendre honnête et dire la vérité tout le temps, c'est très bien. Et moi je veux dire, bien sûr, comme je montrais dans le film, les deux garçons, qui sont les victimes du garçon sicilien, ils sont absolument pas méchants avec lui, tu vois, ils sont des gens complètement normaux, avec beaucoup de préjugements comme tout le monde, préjugeant aussi lui, mais... Lui, il part en rage et en désespoir total de la fête, et les autres, finalement, viennent pour le récupérer d'une façon très gentille. Lui, il est primitif, voilà, on l'a sauvé. Et sa réponse, c'est ça, tu vois. Donc, avec ça, il s'isole complètement d'une possibilité dans la société dans laquelle il est tombé, ça c'est sûr. Et cet isolement évolue dans le désespoir. Est-ce que tu penses que l'Allemagne aujourd'hui, c'est dur de dire ça, mais ça devient fasciste? Comme la France, identique, comme l'Angleterre, identique, comme tous les pays de Moyen-Europe. Est-ce que c'était différent Fasciste, c'est pas la parole, parce qu'en effet, fascisme, c'est une chose italienne, si tu veux dire, dans le sens blabla de la parole, oui, réactionnaire. Oui. Tu penses que c'était plus réactionnaire, c'était moins réactionnaire avant? En France, en Allemagne. Mais absolument. Je pense que c'est actuellement
la société de consommation en outrance, les ordinateurs, toutes ces choses-là, de plus en plus, transforment les gens en machines. Il n'y a en machines, ça peut exagérer. Non, mais plus d'amour. Les valeurs de la vie, ça ne se trouve plus dans les rapports, ça se trouve dans les choses matérielles qu'on peut toucher. C'est toujours le crime d'une société matérialiste, tu vois la même chose en Russe, en Chine, tu vois, c'est partout. C'est contre le matérialisme. Non, c'est aussi matérialiste la Chine, tu vois, c'était la grande illusion à l'époque, sûr, tu vois, tout le monde est tombé comme ça en réalisant que la Chine est comme l'Amérique et la Russie. Et c'est toujours, c'est commencé avec l'illusion à faire croire qu'on se trouvait devant une société avec des autres buts sociaux que la nôtre, tu vois, mais finalement, tout se termine sur le matérialisme qui empêche les gens vraiment à se retrouver eux-mêmes et à travers les autres, tu vois. C'est complètement libre, c'est contre la vie, la société d'aujourd'hui, de nouveau, complètement contre la vie. Mais tu pensais déjà ça, déjà à l'époque du Jakarta? Non, ça c'est tellement léger, tellement plein d'esprit léger, tu vois, c'est un jeu enfantin avec beaucoup d'imagination et de fantaisie. J'étais conscient de faire quelque chose contre un système, de regarder les choses d'une certaine façon préconditionnée, mais je suis comme ça, non, là. Il faut te dire, à l'époque 69, encore 70, j'étais extrêmement content de vivre en Allemagne, je trouvais... Les jeunes aussi, moi j'avais 23, 24 ans, je trouvais très très bien, très agile et très ouvert pour les nouvelles idées, c'est fini, tu vois. Mais ici également, 65, 68, 69, quand j'étais en France, assez souvent, je trouvais très très bien et je réalisais même, tu vois, que j'avais passé une frontière de l'Allemagne à la France. Maintenant, je ne réalise plus, je passe d'un pays à l'autre, je trouve la même situation, le même esprit, les mêmes défauts, et je vois que les gens ne sont pas plus heureux qu'avant, ça, il faut vraiment dire. Tu ne veux pas prétendre ça, tu vois. On est arrivé à un tel point dans la société que même on ne peut plus rien dire contre les héroïnomanes, parce qu'ils n'ont aucune alternative, tu vois. Moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire l'usine, au lieu de se droguer mortellement, je préfère la deuxième possibilité, absolument. Et ça c'est extrêmement subjectif, parce que moi je ne peux pas dire oh, comme c'est beau pour moi de vivre là ou ici, bien sûr pour moi c'est beau, parce que moi j'ai une position extrêmement privilégiée, parce que je suis un créateur des choses, je suis combattu, j'ai une conscience qui me permet d'être comme ça, mais tous les autres pas, tu vois. Et donc, si je me mettrais à la place d'un ouvrier, moi je veux dire, je préférerais être héroïnomane, justement. Vraiment. Comme sentiment de vie. Qu'un travail mécanisé, stérile, comme ça. En plus, comme. J'ai vu aussi, parce que j'ai un ami ici qui a 13 ans, c'est pas 14 ans, où il va être fâché. C'est le fils de Marguerite Clémenti, de Pierre Clémenti, Balthazar. Il m'amène très souvent dans les cinémas. Moi, je vais très rarement au cinéma moi-même, mais lui, il m'amène pour me faire voir les films qu'il veut voir. Par exemple, je vais buffer froid, je trouve un tel cynisme ridicule, tu vois. Je suis content, je suis d'accord. Non, mais ridicule, tu vois. Sans aucun contenu, j'ai aucune chose qui peut me toucher, même pas d'une façon négative, tu vois. Sauf peut-être là qu'on voit à la fin dans la montagne, c'est une très belle image, c'est tout. Et c'est une très belle fille qui joue là. Fille mystérieuse, c'est un très beau visage, c'est tout ce que je peux dire sur le film. Totalement stupide ce film. Et Alien, ce film américain, tu vois qu'il y avait une très bonne presse, en Allemagne aussi, donc je suis allé pour voir Alien, et il faut dire qu'il y a des décors assez étonnants, etc. Mais comme contenu, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien, tu vois, c'est rien. Et si on présente ça au grand public comme le tube le plus fort du cinéma mondial, tu vois, et les gens sont contents avec ça, ça veut dire que l'époque emportée par le vent s'est terminée, tu vois, avec des histoires sentimentales, touchantes, même fabriquées commercialement d'une façon horrible comme emportée par le vent, quand même, ça touchait les gens d'une façon émotionnelle, positive, parce que c'est un contenu que tout le monde peut comprendre, le destin tragique, les choses qui tombent, les gens qui meurent, les gens qui sont heureux.
c'est une chose touchante comparée à Alien où il fait froid quand même. Et à travers les grands moyens de communication de masse, comme la télé, le cinéma, la disco, les disques en général, tu vois bien que c'est aplati à un niveau où le contenu s'envolait complètement, selon moi. Ouais, en tous les cas, c'est la tendance dangereuse, extrêmement dangereuse, parce qu'on se trouve mal, il faut se combattre plus que jamais, tu vois, contre ça. Enfin, chaque fois que tu filmes les gens, j'ai toujours ressenti ça dans tes films. Tu filmes toujours les gens avec énormément d'amour. Mm-hmm. Est-ce que ça t'arrive de filmer des gens? Est-ce que ça t'arrive, que ça t'est déjà arrivé de filmer des gens qui, en fait, que tu n'aimes pas? On sent toujours, vraiment, toi, une communion avec la personne que tu filmes. Ça mm-hmm. se sent mm-hmm. dans chaque plan. Mm-hmm. Et en fait, il y a très peu de cinéastes qui exercent leur métier comme ça. Mm-hmm. C'est bien dommage pour les autres cinéastes. Peut-être. C'est leur problème. Mais... Non, mais ça c'est vrai, c'est vrai. Vraiment vrai. En effet, je ne peux pas filmer quelqu'un que je trouve négatif, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et là, c'est là qu'on ça me fait repenser à d'autres cinéastes comme Pasolini, et peut-être que ça va te gêner que je dise ça, Dreyer. Non, mais Dreyer, ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup la mort. Ouais, la mort de Jeanne d'Arc, la passion de Jeanne d'Arc. J'ai beaucoup aimé toujours. C'est le seul film que j'ai vu de lui. Tu n'as pas vu son dernier film, Gertrude? Jamais. C'est magnifique. On a traité le gars, mais c'est un film extraordinaire. Et lui, c'était pareil, je pense. Ou Manuel de Oliveira, tu as vu? Il a fait un film, faudrait que je suis certain que tu as trouvé ça passionnant. Il a filmé la passion dans un village au mm-hmm. Portugal. Ce sont tous les gens du village qui jouent. Mm-hmm. Il a fait un film qui a été fait en 62. Et c'est extraordinaire. 62. En 1962, il est sorti à Paris il n'y a pas très longtemps, en février. Selon tous les gens du village qui n'ont jamais été dans le cadre. C'est très émouvant et ensemble, il y a un amour qui passe avec les gens qui filment, c'est tout à fait étonnant. Mais j'ai pas vu. Non, comme enfant, j'ai vu beaucoup, tu vois, tout. Et je me souviens même un film d'Abel Gance que j'ai beaucoup aimé comme enfant, que j'ai vu dans un cinéma qui s'appelait Gloria, à Bielefeld, en Westphalie, à Bielefeld. C'est la tour de neige, j'ai trouvé fantastique, tu vois, tellement kitsch et exagéré, ça m'a beaucoup plu comme enfant. Non, comme enfant, jusqu'au moment, quand j'avais commencé de travailler moi-même avec le théâtre et le cinéma, j'ai vu beaucoup de films, après, presque pas. Tu es un analphabète du cinéma. Tu as appris tout tout seul. Oui, bien sûr. La définition de l'angloire, un cinéaste, c'est un analphabète, il apprend tout seul. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas capable d'apprendre des choses parce que ça m'ennuie, tu vois. J'ai appris le métier d'une façon très pratique parce que j'ai appris de faire la caméra, j'ai appris d'organiser une production, j'ai appris tout ça pendant que j'ai essayé de le faire, tu vois. C'est normal. Je ne crois pas aux écoles. Oui. Pour des professions artistiques, je trouve une blague, tu vois. En plus, exploiter les gens en Allemagne, il y a la situation très difficile que... Il y a beaucoup plus d'acteurs qui font des écoles, tu vois, des écoles pour les acteurs, des écoles de cinéma, etc. Et après, ils se trouvent avec un grand espoir dans le néant le plus complet, tu vois. Et donc c'est complètement faux, on ne peut pas apprendre d'être acteur ou créateur. On peut bien sûr apprendre une technique, comprendre. Bien sûr, il faut étudier si on veut. Moi je préfère même les gens qui n'ont pas étudié la peinture. Je suis sûr que Picasso, ce n'était pas quelqu'un qui a fait ce chef-d'œuvre en étudiant, disons, la Mona Lisa. Hein. Ni Leonardo da Vinci quand il a créé ces choses. Je crois que c'est une... Mais bien sûr, il faut avoir des points, il faut s'intéresser pour la vie, il faut retrouver les mêmes choses partout, il faut se créer un esprit pratique, d'observation pratique, oui. Et comment maintenant ça se passe pour toi? Parce qu'avant tu faisais toujours la caméra, et puis depuis le règne de Naples, c'est Thomas qui... Oui, quand j'ai eu le projet du film napolitain, j'étais déjà décidé de ne pas faire la caméra à moi parce que c'était trop de difficultés au même moment. On ne peut pas faire tout au même moment. Et comme ça s'est passé assez bien, parce que j'aimais assez bien son travail, donc je préfère de continuer avec quelqu'un
qui comprend de plus en plus aussi ça que je veux, tu vois. Ça n'a pas été difficile au début Étrangement, avec lui, qui est dit très difficile comme caméraman, comme chef opérateur, si on pas. Mais pour toi, d'un seul coup. Non, je préfère ça. Ah, je préfère ça. Parce que tu as le temps de t'occuper avec les gens, oui, oui. Tranquillement. Et... Oui, je préfère ça beaucoup. Je veux dire, avec les projets assez élaborés comme ça, tu vois, avec une grande équipe, oui. Mais là, j'ai un projet de faire un petit film où je refais la caméra moi-même, tu vois, sur un personnage de la vie de la DDR, de l'Allemagne Est, que je vais faire avec Magdalena en automne. Mais tu vois, là, je vais faire une très petite chose, comme ça, une équipe de 4 personnes, et moi, je fais la caméra moi. Comme tous les marins du monde. Ah oui, mais ça c'est autre chose, ça c'est un jeu enfantant. Quand est-ce qu'on le voit ce film? Je ne sais pas, il se trouve dans les mains de M. Franch, qui a mené le film ici à Paris. J'ai terminé le mixage, ça fait 2 semaines. Oh. Et donc, je ne sais pas. Il faut appeler M. Franch pour voir le film? Oui. Parce que toi, tu... Non. Tu voudrais qu'il sorte le film ou tu... Non. Tu veux pas qu'il sorte? Non, je dis à Eric, je dis c'est un film que tu peux montrer à l'Olympique pour 10h minuit, tu vois, comme ça, parce que c'est un jeu entre amis, tu vois, c'est un film qu'on a fait. Je commençais, je crois, vraiment le jour après, le dernier jour de tournage du film Napoléon. Tu m'as fait ça pour 10 jours. Tu m'avais raconté à Cannes. Oui. À Cannes, tu n'avais pas encore vu les rushs. Non. Maintenant que le film est fini, qu'est-ce que tu... Ça a été réussi parce que tu savais pas si le film... C'est drôle comme film, c'est drôle. Pour moi, ça fait plaisir de voir tous les gens dedans, tu vois, mais je sais pas si... Je crois que le film est assez drôle. Mais... C'est un jeu, c'est pas un travail sérieux. Je suis content parce que Flocon d'Or va bientôt sortir en Paris. Oui, comment? Tu as rencontré Paul Branco il n'y a pas longtemps. Il va, oui, n'est-ce pas, là, oui. Il a dit, et il veut sortir, hein, le Flocon d'Or. Ce serait bien, avec ça je suis content, oui. Mais il voudrait en sortir d'autres aussi. Si c'était possible, ça venait. Je sais qu'il y a des problèmes de droits musicaux, mais lui, il voudrait sortir aussi. Non, il faut créer un statut de club pour le cinéma pendant le film et montrer, c'est tout. Je crois que Frédéric a fait ça avec la main libre et avec Velo Springs aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, les montrer Ça veut dire, il ne faut pas imprimer ça nulle part, parce qu'ils vont avoir des difficultés. Oui. Non, de déclarer pour les séances de ce film, pour les gens de Flocon d'Or, déclarer les cinémas comme un club privé. Ah oui. Tu vois, même si ça ne change rien, les gens achètent pour le même argent une member card. Le fait que tu aies fait monter sur la scène les acteurs du film, le jour de l'animation, ça veut dire, ça donne le... Tu voulais dire par ça que tu travailles en groupe avec les autres? Je voulais dire que même un travail extrêmement personnel comme le mien est seulement faisable avec un groupe d'amis qui travaillent très très bien avec moi, tu vois. Et c'est une dépendance complète, si tu crois. Il n'y a pas les créateurs qui... Bon, c'est les nuages, ça n'existe pas, tu vois. Pratiquement, comment ça se fait, ça? Ça se fait que j'essaie toujours de réutiliser les mêmes gens. Comme Magdalena, ou comme maintenant Hilary Benedetto, ou comme Antonio Orlando, ou comme beaucoup d'autres, tu vois. Ou comme Thomas More, tu vois. Dans tous les cas, c'est un travail collectif, tu vois, parce que moi, je donne un squelette d'idées qu'il faut remplir, tu vois. Je change beaucoup dans mes concepts avec les acteurs. Et comme ça, c'est presque... Non, il y a des acteurs professionnels entre eux, mais pas dans le sens classique de la parole. Je veux dire acteur instrument dans la main du metteur en scène. J'utilise jamais des acteurs comme ça, c'est évitable. Donc beaucoup des idées dans le film viennent aussi d'eux, tu vois. C'est complètement honnête de faire monter sur scène. Parce que je trouvais cette séance-là, c'était terrible, comme annoncer la mort d'une centaine de personnes. C'était lugubre comme séance. La séance était prise à Berlin, c'était terrible. Et les gens, ils n'ont aucune
activité ou vitalité de contredire, ils sont là et font du prix. Moi pas, je trouve ça ignoble, tu vois. Oui, mais c'est compréhensible. Moi, je préfère toujours présenter mes acteurs avec moi, mes collaborateurs, parce que... Non, c'est complètement normal. Avec Don Giovanni, je ne peux pas te dire, parce qu'avec le Lohengrin que j'avais monté l'année dernière, tu vois, j'ai refusé de monter une opinion critique, parce que je trouve déjà que le Wagner est tellement surchargé d'autres interprétations des opéras de Wagner, idéologiquement surchargé, pas de Wagner même d'ailleurs, mais des gens qui interprètent ses œuvres, que je me suis décidé pour une version assez enfantin, comme une Märchen, comme une vision de théâtre de marionnettes, tu vois. Presque enfantine. Oui, pour les enfants. Sauf que j'ai changé un peu le système des caractères dans l'opéra, donc j'ai essayé de créer un personnage très positif de la Ortrud, parce que je trouve beaucoup plus juste de défendre une idée d'une façon très forte comme Ortrud, que cette sainte madone allemande Elsa di Brabant, de Brabant. Non mais c'était tout, tu vois, le reste c'était une mise en scène pour les enfants, tu vois, avec les ciels qui s'éclairaient, les étoiles, etc. Et j'ai beaucoup travaillé sur la musique, j'ai essayé de récupérer une très très bonne interprétation dans mon idée, dans mon esprit, de la musique. Dans mon travail, c'était surtout le travail avec le chef d'orchestre, de lui obliger de me comprendre. Donc dans la musique, c'est complètement réussi mon interprétation. Sur scène, c'est une chose moyenne mais assez belle. Et pour le Don Giovanni, je veux avoir un concept très, très rigide que je n'ai pas encore trouvé parce que je viens de me décider de le faire seulement, ça fait 3 jours ou 4 jours, tu vois. Donc j'ai aucune idée encore comment je vais faire, je commence. Mais comme je commence seulement au mois de septembre, tu vois, j'ai assez de temps de m'occuper dans ma tête que je peux tirer de Don Giovanni. T'as vu le film de là aussi? Non. D'abord, pas de fois. Pourquoi? Non, moi je ne vois jamais des films comme ça parce que je déteste la musique d'opéra, tu vois. De Mozart surtout, de la mettre dans un paysage, c'est ridicule, impossible, c'est sans humour. C'est une musique que... Je peux comprendre que quelqu'un peut filmer un Don Giovanni dans une grande salle, dans une maison d'opéra, dans un studio de cinéma, tu vois, mais jamais dans la nature. C'est bien grotesque. Non, même pas grotesque, ça serait beau, ça deviendrait grotesque, ça devient idiot. Ça ne va pas, la musique de Mozart est une création artificielle, la nature est une nature. Ça ne va pas, c'est impossible. Surtout que c'est bien la musique avec l'architecture, quand c'est bien au niveau de l'opéra. Et en plus, je veux te dire, je ne suis pas tellement fan de ça, parce que pour moi, d'aller voir un opéra, c'est d'aller entendre un opéra. Donc je préfère l'entendre dans un théâtre, parce que là, il y a l'acoustique, et il y a, tu vois, la réalité des chanteurs, des instrumentalistes, de l'orchestre, des choristes. Donc ça me donne une chose beaucoup plus chaude. Et donc, je préfère un disque à un film opéra, tu vois. Entendre un disque, seulement la musique. Parce que les images me viennent quand même, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Donc, te perdre l'avantage d'une musique en direct, comme dans une salle d'opéra, aller dans une salle de cinéma pour avoir des images aplaties qui vont pas bien avec la musique, ça m'intéresse pas. Ou il faut jouer avec ça en juxtaposition ou d'une grande sensualité, comme moi je le faisais dans La mort de Maria Malibran ou dans les films très artificiels, tu vois. Tu peux pas mettre un Don Giovanni sur une canoë à Venise, c'est ridicule, pourquoi? Sur scène, oui, pourquoi pas de le mettre à Venise, il arrive sur un canoë, avec la machinerie théâtrale, ça ressemble à l'esprit de l'époque aussi, tu vois. Ou on peut s'imaginer dans un théâtre en plein air, tu vois, dans un théâtre roman ou dans des giardini à Florence, tu vois, ça on peut faire, mais on ne peut pas le mettre d'une façon réaliste et les gens ouvrent la bouche et chantent, c'est terrible. Ça manque la conséquence, tu vois, je peux bien imaginer un montage avec la musique intégrale de Don Giovanni, avec des images, tu vois, qu'on ajoute, mais pas avec des chanteurs qui ouvrent la bouche, tu vois. Comme ça serait la chose la plus normale pour un film. Oh, terrible comme idée. C'est plat, selon moi. J'ai pas vu le film de M. Lozé. Je peux pas me permettre de le juger, mais j'ai pas envie de le voir, c'est tout. Parce que j'ai vu les photos, ça me déplaît énormément.
Je suis parti au... Le film fait deux parties, je suis parti à la fin de la première partie. Mais en plus, ce sont des films, tu vois, qui veulent continuer de tirer l'opéra sur le... de tirer l'ambiance de l'opéra sur le plus grand commerce, tu vois. Déjà, c'est dommage que l'opéra aujourd'hui est complètement devenu une chose de la grande industrie, tu vois. C'est la récupération. Non, mais on ne peut pas intéresser avec l'opéra les gens qui doivent s'intéresser. Un film comme Don Giovanni va dégoûter les gens de l'opéra. Les gens qui ne connaissent pas l'opéra vont sans doute les dégoûter. Alors que des films, souviens-toi, il y a 10 ans, les gens qui ne connaissaient pas l'opéra, je connais plein d'amis qui ne connaissaient pas l'opéra, ils ont vu des films, joué avec des sentiments. Ils sont tous allés acheter des disques, ils ont après aimé l'opéra, j'en connais plein de gens. Plein. Mais ça, c'est bien, bien sûr, je sais ça. Oui, mais ça c'est positif, mais c'est pas une chose commerciale. Le monde de Maria Malibran, Florent d'Or ou Agakata, perception, quoi. Ce ne sont pas des idées commercialisées, tu vois. Ce sont des idées de jeu, plein de passion et d'amour pour les choses que tu montres. Et est-ce que les gens t'en veulent en Allemagne avec Palerme, avec le film de Palerme? Je sais pas, tu vois, parce que bien sûr, au Festival de Berlin, j'étais seulement 2 jours, j'ai rien réalisé de ça, mais la critique allemande, il a tout de suite attaqué surtout la troisième partie du film, ça on m'a dit au téléphone. Là, mais il y a aussi des gens qui ont bien compris, avalé la chose. Bien sûr, c'est difficile de montrer le film, tu vois, parce qu'à 3 heures, avec un tel sujet, c'est difficile pour la distribution. Que les gens restent dans la salle, c'est difficile. Ça ne s'est pas emporté par la vente non plus. Tu aimes les analyses de films? Je veux dire, quelqu'un... Il faut dire, non, il faut dire qu'à un certain moment, je crois 73, c'était Michel Foucault qui avait écrit une chose que je trouvais complètement juste, c'est mon idéologie. La mort de Maria Malibran. Oui. Ça, je trouvais extrêmement juste. Oui. Je te donne le bonjour de monsieur Jean Boucher. Je ne sais pas si tu le souviens. Je l'avais rencontré avant-hier, ici. Ah, tu l'as rencontré avant. Mm-hmm. Fantastique. Marquis de Sade. Louis XIV. Non, c'est Marquis de Sade, comme de Sade. Tu sais, oui. Moi, je l'ai filmé, il ressemblait à Louis XIV. Au Gilles de Rais. Gilles de Rais. Oh là là. Moi, je l'appelle toujours comme ça, Marquis de Sade. Je le présente à mes amis. En fait, je ressemble énormément à ce montage, mais c'est vous, non. À ce montage de Man Ray, tu vois. C'est pas Man Ray. Qui a fait cette chose avec la Bastille et le visage de Marquis de Sade. Oui, c'est vraiment... C'est une photo ou un film? Non, c'est une peinture. Ah non. Et là, il ressemble vraiment pile, tu vois. Tu connais, moi. Moi, je voulais te demander une question au niveau de la technique du tournage, de rapport avec les acteurs. Et quand tu tournes un film, comment tu étais rigide avec les acteurs, surtout parce que tu étais avec des Italiens qui sont connus, qui ont quand même le sens théâtral dans le sens. Est-ce que tu attendais des trucs d'eux, d'initiative, ou est-ce que tu contrôlais vraiment le tournage? Je contrôle complètement le tournage, mais comme j'ai déjà essayé à expliquer, je suis complètement dépendant aussi des idées qu'ils peuvent avoir, des propositions d'eux, tu vois. Mais ça, c'est différent avec tous les acteurs. Il y a quelques-uns qui sont capables d'inventer, tu vois, d'une façon beaucoup meilleure que moi, que je te pourrais de représenter exemple, mon idée. Par exemple, c'est qui accusait quand même l'Allemagne, hein, pour ce problème. Italie Benedetto. Oui. Moi, je voudrais bien la comprendre parce que je l'ai vu, elle était vraiment un tempérament italien. Mm-hmm. Et je voudrais savoir si toi, quel rapport tu as avec elle, c'est elle qui a pris l'initiative avec ses expressions, c'est... Non. Non. Mm-hmm. Mm-hmm. Je l'ai obligée de parler allemand dans le film parce que tout son rôle, tu peux t'imaginer, elle était complètement cassée parce qu'elle a dû apprendre comme le film et absolument pas doublé dans aucun moment, surtout. Tous les films éphémères, toutes les scènes au procès, c'est tout fait en son direct, en prise de son direct, même toujours l'interprète, qui blablabla, c'est tout fait avec une centaine de microphones, tu vois, sur place, mixé sur place pendant le tournage.
On a été obligé à prendre toutes les paroles, toutes les pages de texte en allemand sans comprendre une seule parole allemande. Oui, oui, je ne comprends absolument même pas bonjour, tu vois. Guten Tag maintenant, elle peut dire Guten Tag, mais c'est tout. Et non, pas ça, ça l'aidait énormément d'ailleurs pour son expression, parce qu'elle est devenue plus profonde dans le stress et la concentration de ce combattant avec ses textes, tu vois. Mais elle était complètement consciente des choses qu'elle disait, parce qu'elle a eu une traduction parole par parole en italien, tu vois. Elle savait précisément quand elle dit une parole comme Traurigkeit, elle savait précisément que ça veut dire tristesse en italien. Mais non, mais elle était fantastique dans ce film. Mais elle était aussi dans le film napolitain, aussi, où elle faisait un caractère très méchant, très méchant. Avec les acteurs, tu leur montres souvent les gestes qu'ils ont à faire, précisément. Avec certains acteurs, parce que, Parce que dans les caractères pas, quand on te voit, vers la fin du film, on te voit bien expliquer tout ça, c'est des séquences absolument admirables. Mais avec... Donc tu te mets quelquefois, enfin, selon les acteurs, tu opères différemment, je suppose. Oui, mais ça dépend des acteurs et des rôles, tu vois, pour exemple... Aïda, dans le procès, j'ai absolument rien montré, sauf que je l'ai dirigé dans le sens classique, tu vois. Je dis ça c'est trop, ça c'est pas assez, je fais ça, c'est... mais pas de la amplifier, tu vois, d'une façon pathétique, absolument pas. Ou avec Antonio, lui, j'indique seulement là, comme blabla, les choses qu'il doit faire. Parce qu'en effet, c'est un acteur qui ne sait pas répéter, ça veut dire qu'il répète une fois d'une bonne façon, il est plus capable de donner quelque chose pour la prise. Parce que tu fais peu de prise, toi. Non, je veux dire, Antonio, par exemple, il ne peut pas répéter, absolument pas, s'il répète, tout est perdu. D'accord. Non, là, je... Avec lui, tu en faisais le minimum, avec lui, précisément, avec Antonio. Rien, je fais rien, je ne vais pas, lui, il doit le faire, tu vois. Mais en général, tu fais peu de prises, en général dans un film. En général, je fais deux ou trois, au maximum quatre, mais dans ce cas-là, ça allait jusqu'à 18. Et, ah, parce qu'on a toujours eu des énormes problèmes avec le son, tu peux t'imaginer. La Suisse, c'est quand ça va pour un demi-seconde, il faut jeter toute la prise, c'est sûr. Mais pour toi, c'est important de faire peu de prises pour que les acteurs puissent... être, comment dire, chargé. Et... Non, il y a d'autres acteurs, par exemple, Ida devient meilleur et meilleur, prise par prise. Ouais. Antoine devient pire et pire, prise par prise. Donc tu modifies seulement les acteurs. Ça, c'est intéressant. Magdalena, elle devient meilleure aussi, prise par prise. Ah. Plus on prend, le meilleur et mieux. Elle est complètement changée dans ce film. Non, mais Magdalena, elle fait depuis très longtemps une vie propre à elle, avec son projet. Que de faire un théâtre, tu vois, créer un théâtre. Elle fait une vie complètement différente du vie qu'on a amené ensemble aux années 69, 70, 72. Et elle a joué avec moi aussi au théâtre beaucoup, et avec Peter Zadek, elle a fait beaucoup de théâtre. Maintenant, Magdalena. Non mais avec elle, c'est aussi, là je ne montre jamais plus un geste, je montrais à l'époque des gestes à elle, maintenant jamais. En effet, elle ne supporte plus ça, je dois montrer des gestes, tu vois. Au garçon, je montrais tous les gestes, tout. Ouais. Je me suis toujours mis à sa place, tu vois, et je lui ai montré comme je le veux. Parce que... Il a une, vraiment, du début du film jusqu'à la fin, il y a une grâce. Et est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut parler que c'est une sorte de Christ moderne qui traverse... Non. Non, tu refuses. C'est une victime. Une victime gracieuse, c'est une parole un peu obscène. Non, mais non, non. Bien sûr, ça emporte aussi le sentiment de la passion, de la souffrance, etc. Mais... C'est pas la chose la plus importante, c'est la description de lui, son personnage. Quelque chose de divin un peu dans sa manière d'être là. Il est là. Parce qu'il est complètement naïf et innocent. Il est complètement innocent. C'est pas quelqu'un qui comprend grand chose, tu vois. En réalité non plus. C'est ça qui est extraordinaire. Toi, tu arrives
avec certaines, avec les gens avec qui tu filmes, tu arrives à faire coïncider leur propre personnalité avec leur rôle qu'ils jouent, ce qui est une des choses les plus difficiles à faire en cinéma. Et toi, je pense que tu es l'une des rares personnes qui arrive à ça. Et dans le passé, moi j'ai toujours pensé, c'est Marilyn aussi, qui était toujours elle-même dans les films, et qui se représentait, qui jouait un rôle. Et ça, c'est, je pense, c'est quelque chose de fondamental au niveau du cinéma. Si on aime le cinéma de ce côté-là, tu vois, moi je l'adore. J'aime seulement, je n'aime que les émotions, tu vois. Bien sûr, pas les émotions comme sans contenu, ça ne m'intéresse pas, mais transporter une idée et un contenu précis à travers les émotions, ça mon travail. Je voulais que je voulais. Ah, où je vous laisse, parce que je suis en retard. Ah, tu es là jusqu'à quand à Paris? Je suis là jusqu'au 22. Donc quand Ingrid a terminé son travail, tu vois ici. Et en plus, je vais bien lire l'entretien parce alors, que. L'entretien, je voudrais que je te le fasse lire demain. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Je passe ici demain. Tu passes ici à peu près. Tu passes ici à 6 heures, si tu peux. Tout à l'heure. Très bien. Il y avait une autre chose que je voulais te demander. Je ne sais pas si tu t'en souviens, quand je t'en avais parlé à Cannes, donc il y a 2 ans, que je fais des portraits des gens en Super 8. Je filme les gens. Je fais un portrait du visage et chaque personne fait absolument ce qu'elle veut. Pendant 3 minutes, il n'y a pas de coupure. Je mets la caméra en main et la personne fait absolument ce qu'elle veut. Face à la caméra et au spectateur. Ça t'intéresserait de... Pourquoi pas, c'est un moment libre. Moi je suis, ça m'intéresserait. Ça, il faut voir avec le temps, tu vois. Mais... Tu vas viens demain à 6 heures. Je viens demain. Je peux pas parler de ça. Chère dame, merci. Danseuse. Ah, ciao. Ok, donc à 6 heures. Ciao. Ciao.